Continue. Alors ça fait longtemps que j'ai pas rejoué, hein, donc ça va être... Alors je joue en beginner, hein, parce que j'ai un peu la flemme de me remettre dedans. Let's go. Let's go, let's go. Hop, hop, hop. Ah non, attends. Non. Tu sais quoi? J'ai quand même porté mes couilles. J'ai quand même porté mes couilles. Ah merde, j'ai quitté le jeu. Ouais, j'ai porté si fort mes couilles là actuellement. Ah oh, bordel, cette virilité mal placée. Epic Game Store, ça met 10 ans, on connaît. Barony est un jeu que je conseille, mais il est... Oh! Il y a un jeu sur l'Oculus qui ressemble à ce jeu. C'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. J'avoue que par contre, en VR, celui-là, je veux trop y jouer. Je vais me chier dessus avec le Minotaur, mais je vais trop y jouer. Je veux complètement y jouer. J'ai jamais joué avec le Minotaur. Parce que... Il y a des limites à la connerie. Hein. Start game. Attendez. Et bon, attends. J'ai un problème avec ma souris. Logitech, j'ai un gros problème avec ma souris. Elle fonctionne pas. Ah, c'est parce que j'ai quitté Logitech. Voilà. Je disais que j'avais un souci avec mes bébés. Fonctionnait le Minotaur. En fait, le Minotaur, plus tu restes dans une pièce, plus il va avoir de chances qu'il te casse la gueule, en fait. Il va y avoir de chances qu'il te casse la gueule parce qu'il aime pas que tu restes dans le même étage. Et du coup, oui, il court jusqu'à que tu trouves la sortie. Mais en vrai, oui, s'il y a une VR de ce jeu, honnêtement, faut y jouer. Hein. Wizard. Je joue en hard. Hein. Donc. Tac. Light. Donc là, avec Mako, je suis désolé, ça va être beaucoup plus pixelisé pour vous hein, sur Twitch. My bad. Je me rappelle vite fait des touches. Hein. On prend. Merde. J'avais plus comment on active. La VR, c'est le turfu, complètement. Donc, je vais potentiellement fail dès le début. Hein. Potentiellement fail dès le début. Hein. C'est normal, le temps de réapprendre. Ok. Ah, on fait comment pour sélectionner déjà? Attends. Ah oui. Ah, c'est... ah putain! Je pensais qu'il l'a vu. Fait chier, j'ai pris des dégâts du coup. Allez, c'est clic droit. Pour prendre les objets. Donc je vais prendre un peu de temps pour me réhabituer au jeu, hein, comme je l'ai dit. Là, j'ai plus de magie. Parfait. Du chaud. Je suis en train d'apprendre ça. Donc j'ai un bouclier qui pourrait être utile. On va le poser là. Ah putain, je suis un enfoiré. J'ai perdu un de stats à cause de ces conneries. J'ai sélectionné des trucs. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Ma faute. Alors faut pas regarder mes faits et gestes. Hein. Je vais complètement galérer. Je vais faire de la merde. Comme j'ai fait à l'instant. J'oubliais, il faut que je regarde s'il n'y a pas des boulders. C'est ça qui va me tuer automatiquement. Il y a une souris pas loin. Ouais, je vais mourir. Concrètement, je vais mourir si je fais pas attention. Et vu que j'ai cette hache de merde là. Il a 3. Il y a 2,99. Il a 2,99 sur les pick-em. Je vais mourir. Techniquement, là, je vais mourir. Pas grave, c'est la run de chauffe. On se remet dedans lentement. Ferme la porte. J'attends d'apprendre un peu plus. J'ai 2 shields au moins. J'ai de la viande. Bon. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas à attraper. C'est un conseil que je vous donne sur ce jeu d'attraper tous les objets que vous trouvez sur le sol.
histoire d'augmenter votre apprentissage un maximum, parce que, en fait, le jeu, c'est ça qui est pratique, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est chaque chose que tu vas faire dans le jeu, donc apprendre par exemple, pour être sûr de bien découvrir ce qu'est un item, et ben en fait, ça te permettra d'augmenter en fait ta compétence dans le domaine. Par exemple, si tu voyais ce qui est en vert là. Si je passe du temps pour l'apprendre, comme on voit là, il a 43%, 45%, là, ça augmente au fur et à mesure la vitesse d'apprentissage. Et ça permet du coup de voir tous les objets non identifiés. Pour ensuite savoir s'ils sont maudits ou pas. Quand ils sont maudits, ça fait des choses comme vient de m'arriver avec la hache. Ça fait que potentiellement je peux pas la dégager en fait. J'ai toujours dans mon inventaire et je vais devoir me démerder avec cette arme jusqu'à la fin. Parce que j'ai fait de la merde. Je me démerde fortement là avec cette hache jusqu'à qu'elle se pète. Donc elle est décrépite, donc elle devrait se péter d'un moment à un autre. Le problème c'est que vu que j'ai pas beaucoup de vie, c'est un enfer. Bon, on va quand même s'écouter un peu. Dommage, mais merde. Alors par contre là j'ai de la viande, ça c'est cool. Ça c'est un scroll vide, je vais pas utiliser parce que j'ai pas forcément l'envie de passer dans le pot. Dos droit, j'ai le dos droit. Je fais attention justement à avoir le dos droit. Dans le doute. Ouais non t'inquiète. Le jeu a une fin. Oui il a une fin, mais faut que tu comptes les 5 à 6 heures de run quoi. Merde. Tu comptes les 5 à 6 heures de run du coup pour arriver à la fin. Et t'as différentes fins. C'est ça le truc intéressant. Ouh, intéressant. On va quand même le prendre, le casque là, au cas où c'est celui que j'ai fait. Non. Identifier ça. Ah, juice. Ah, yes, du soin. Et du coup, j'ai augmenté mon alchimie avec ça. Donc là, c'est une gemme que je pourrais vendre à des marchands par la suite. À des étages inférieurs où il y a des marchands. Et il se joue à beaucoup de ce que je sais, ce jeu. Il se joue à 4 minimum, je crois. J'ai loupé une bonne partie du jeu. Ah, c'est, ça prend du temps, ça prend du temps. Après, j'ai joué avec un mec qui a tendance à doser ce genre de jeu. Il s'appelle El Caro. Et du coup, en fait, il m'a donné pas mal d'astuces et j'ai réussi à me débrouiller grâce à ça. Pas trop de problème, quoi. Là, je prends mon temps, pour le coup. Alors que d'habitude, je rush beaucoup plus. Mais ah, j'arrive pas. D'où j'arrive pas à le taper? D'où j'arrivais pas à le taper? Ah, j'ai hâte qu'elle se casse. Ça, c'est une taille vide. Ça, c'est un truc. Pas rien, ça. Rien. Apprends ça d'abord. Enfin, on va pas l'utiliser, mais au moins je verrai ce que ça peut faire. Je pense que ça va être un Magic Staff of Opening, donc pour me permettre d'ouvrir les portes qui sont ou les coffres qui sont fermés, ou sinon c'est l'inverse, ça permettra de fermer les coffres, les portes sont ouvertes et les fermer à clé. Voici. C'est ça le truc. Donc là, le Minotaur, il est pas activé de mon côté, donc je risque pas de me faire casser la gueule. Fais-toi un truc. Putain, j'ai quand même eu un freeze sur ce jeu, quoi. Quel enfer. Regarde si j'ai rien loupé ici, en vrai. Et faut faire attention au plafond, hein, parce que... Enfin, faut faire attention au piège. Au plafond, il peut y avoir des boulders, donc des grosses roches à la Indiana Jones qui vont venir vous casser la gueule. Donc faut faire ultra attention quand vous ouvrez une porte, quand vous arrivez à un endroit. Pareil, au niveau du sol, il peut y avoir des pics, il peut y avoir des ennemis qui pop un peu partout. Là par contre, il y a deux bouquins, dont sûrement un de... Ouais non, il y a un spellbook. Si c'est un spellbook de soins, ça va être le bonheur. Du coup, faut que je fasse attention aussi parce que je peux avoir faim.
Voilà, vous voyez, je commence à apprendre bien plus vite. Et du coup, on peut voir, voilà, ça. Ça, c'est mes stats. Du coup, je suis à 11 d'apprentissage, ce qui n'est pas énorme, honnêtement. Mais ce qui peut faire pas mal de taf. Donc là, j'ai eu un locking, donc je vais le garder pour après. Je vais le bousiller pour augmenter mon casting. Il est déjà à 56, mais plus il augmente, plus en fait, ce sera pratique. Par exemple, là, si j'augmente mon casting et la magie, là, le casting, par exemple, ça augmente ma régénération de mana. Donc, qui est techniquement là. Je devrais peut-être me déplacer, en fait. J'ai passé ma cam, je suis en train de réaliser. La régénération de mana qui est là, donc la barbe. Comment? Et, Et à la fin, en fait, ça m'apprend un sort qui s'appelle Force Bolt, qui coûte 0 de mana, donc qui me permet de le lancer en illimité. Qui fait pas forcément beaucoup de dégâts, mais qui peut être pratique si tu veux vraiment bourrer un moment des mobs sans pour autant perdre beaucoup de points de magie. Là, en fait, la magie, en fait, va te permettre d'apprendre différents sorts que tu obtiens comme ça, par exemple, en chopant les bouquins qui sont marqués sur le sol. Et si du coup t'as pas le niveau nécessaire pour apprendre un livre, bah en fait tu peux pas l'apprendre. Et le meilleur moyen de l'apprendre tout simplement est de... Oh attends. Ouh il est excellent, je le dégage. Dégage cela. Et on le met là. Le meilleur moyen de l'apprendre, bah en fait est d'utiliser des sorts. Et au fur et à mesure tu level up automatiquement. Donc là j'ai une torche que je peux utiliser. Quarterstaff qui est complètement au-dessus de mien. Ils sont à peu près de même état. Oui, tout l'inventaire peut se dégrader au fur et à mesure du temps. Là, par exemple, j'ai des gants. Bon, ils se décrépitent, mais j'ai des gants que je n'ai pas forcément qui me donnent plus 3 d'armure. Il n'est pas dégueu du coup parce que je vais prendre moins cher. Comme on peut voir, l'armure est affichée ici. Je peux prendre moins cher très rapidement grâce à ça. Ça, c'est juste peut-être. Les gemmes. Alors, les gemmes, c'est bien de les garder, mais techniquement, ça va vous prendre plus de temps. Mais de ce que je sais, je sais pas si c'est vrai. Hein. Ouais, je crois que c'est vrai. Plus, en fait, un truc va vous demander du temps à apprendre, donc à analyser. C'est plus à analyser que à apprendre. Et plus, en fait, votre apprentissage va augmenter rapidement. Mais je vous le déconseille dans le sens où que ça peut vous foutre dans la merde. Et du coup, chaque étage contient une porte de sortie comme là. On va prendre de suite. Et bien sûr, on voit que dalle. Ok, pardon. Bon, et là, faut que je fasse attention. Du coup, je peux me faire avoir par des pièges plus facilement. Toujours pas identifié le bouquin. Alors c'est très stressant parce que du coup tu peux te faire avoir mais tellement pour rien. Là il y a du monde. Parfait. On reste là, comme ça on regarde autour. Là je vais identifier la bouffe. Ah, yes, on est dans une salle spécifique, ça va être drôle. Oh putain. Oh là là, c'est pas très mignon, on est d'accord. Oh yes, ça m'a soigné. Donc les fontaines peuvent soit soigner, soit faire apparaître par exemple une succube qui peut te foutre dans la merde. Soit te droguer. Ouais. Tu peux être bourré, voilà, comme là. Je vais me mettre un peu plus en arrière, comme ça j'ai moins de risque de me faire casser la gueule. Donc là je suis bourré, du coup je peux vomir. Ouais, plaisir. Ne buvez pas les enfants. Une succube, ouais, une succube du coup c'est une créature mythologique qui a tendance à te corrompre. En te draguant avec ses pouvoirs magiques. Et du coup, tu succombes. Succombe à son charme. Et tu te retrouves fortement dans la merde. Parce que du coup, tu peux plus l'attaquer. Et elle peut te casser la gueule. Voilà. Faut que j'attende de ne plus être bourré sinon. Ah, un bouton. Un bâton de light. Pour faire de la lumière, c'est cool.
On va le mettre. Et là, j'attends que... Voilà. Et j'ai vomi. Du coup, vu que j'ai vomi, j'ai faim. Et plus t'as faim, bah plus tu perds des points de vie, en fait. Donc il faut faire attention de bien se nourrir de temps en temps. Je peux pas utiliser le bâton, hein, parce que... toujours en malédiction avec cette hache de mort. Du coup, ça va ralentir, on va dire, la run, mais on va faire avec. Alors, le fromage, bien sûr. Ça vient des rats. Voilà. Par exemple, ça, c'est un piège. Il n'a pas l'air de s'activer ou que c'est déjà activé. C'est pour ça qu'il fonctionne pas. Donc, ce piège-là, en fait, invoque une grosse roche qui tombe et qui va rouler en direction de là où tu l'as enclenché. Donc là, par exemple, elle a dû tomber dans le vide, donc c'est pour ça qu'elle apparaît pas là actuellement. Mais elle te one-shot au début du jeu, voilà. C'est un plaisir, du coup. Et le nombre de crises cardiaques que tu peux subir à cause de ça est aussi vite. Tu vas passer par là. Pas par là-bas. Il y a un ennemi quelque part. Mais alors là, du coup. Il y a un livre et il y a un coffre. Donc il faut tout prendre absolument. Je précise, il faut absolument tout prendre. Parce que ça permet du coup de gagner en apprentissage et c'est un plaisir. Donc tu meurs dans le jeu, tu fais une crise cardiaque et tu meurs IRL. Oui. Ça m'est déjà arrivé de me taper un gros screamer de mort à cause de ça. Si jamais je le retrouve. Ouais, ça coupe le jeu. Je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de le retrouver. Si je le retrouve. Que j'avais fait des tests à une époque, je le retrouve pas. Dommage. En fait, à une époque, je faisais des tests pour les streams. Et du coup, on avait testé Baroni avec Al Caro, son frère. Et il s'avère qu'à un moment, je me suis un peu chié dessus. Parce qu'il y a un boulder qui m'a éclaté la gueule après 2 heures de run. Et El Caro a subi le même sort quelques instants après. Quoi. C'est un plaisir. Dégage ça. Alors, les canettes là peuvent être ouvertes seulement si t'as un ouvre-boîte. Donc au début du jeu, c'est un peu la mort. Par contre, le fromage, il est assez bon, il est frais. Hein. Force Bolt. Il balance du coup 5 de dégâts et... Enfin, non, 15 de dégâts, et qu'on utilise que 5 points de mana, et en vrai, c'est pas dégueulasse. Alors, bien sûr, chaque sort a son utilité. Là, par exemple, Fireball, ça inflige des dégâts de brûlure. Cold, ça inflige des dégâts magiques, comme Fireball, un peu moins que Fireball, mais ça inflige un dégât de statut, qui est tout simplement, qui inflige un état de lenteur. Il le fait ralentir, du coup, parce que, il a froid. Tandis que là, Force Bolt, qui est littéralement ce sort. En fait, il inflige rien de particulier, mais il fait quand même plaisir. Oh putain. Ah, mais je suis quand même très... je suis risqué, oui. Je prends des gros risques là, actuellement. Là, je suis en train. Ah, mais je peux faire ça. Je peux détériorer mon arme en tapant des trucs. Mais je suis un con... Donc, je vais casser des meubles. Hein. Là, c'est Casto qui va... Il va raquer. Parce que Castoraka, non, ça veut pas passer. Là, c'est l'amulette que j'ai. Là, il n'y a pas de table, non, il n'y a rien. Non, mais Baroni est incroyable comme joueur. Honnêtement. Il est incroyable, il est très drôle à faire avec des potes. Surtout quand tu actives le TK, donc le team kill, hein, qui amène à des situations où tu insultes littéralement la maman de ton pote. Alors que tu la connais et que tu sais que c'est une femme respectable, mais t'as techniquement envie de l'insulter tous ses morts. Donc là, il y a un levier qui va activer la porte de là-bas. Je vais prendre le sort Cold, comme ça va ralentir l'ennemi si jamais il me casse la gueule. Ouais. J'ai plein de gemmes. On va faire en sorte de casser la hache. J'avais oublié que je pouvais casser en fait les objets et normalement ça use automatiquement plus rapidement la chose. Par contre, pour un objet qui est censé être à deux doigts de claquer, on peut taper quand même pas mal avec. Hein.
Et du coup, c'est ça le problème quand t'équipes un objet maudit. C'est que du coup, t'es obligé de l'avoir, de le garder jusqu'à qu'il dépérisse. Et en plus de ça, comment dire, ça te met un malus. Donc là, j'ai pris un malus de moins 1 dans une de mes compétences, qui est aléatoire, bien sûr. Du coup, ça amène à des situations un peu tristes où que tu te retrouves plus faible parce que t'as fait de la merde. Ah, j'ai faim. Il faudra que je me nourrisse après. Pas de soucis, Blue, pas de soucis, Blue. Bon courage, bon courage. Tu as tout défoncé. Ouais, j'ai tout exploré ici, on est d'accord. Ouh, j'ai vu qu'il y avait une table. Ah, mec. Ouais. Et là, la table. Donc, il y a encore une souris, hein. C'est ce qu'on entend au fond, celle qui est en train de squeaker dans tous les sens, là. Ah, la hache, elle a du mal. Bon, j'oublie pas de manger. Alors, du coup, ça, je le vire. Le force bolt, je le vire, j'en ai plus besoin. Oui, il faut que je fasse attention aussi. Voilà, j'ai mangé le pain. Parfait. Je vire ça. Oui, parce que faut faire gaffe du coup à comment ton inventaire se remplit, parce que tu peux te retrouver facilement dans la merde. Donc là maintenant il est en train d'analyser les gemmes, ça va être le plus long. On va le laisser faire. Je vais quand même continuer à un peu aspecter autour parce que j'ai pas tout regardé. Là, il y a un livre. Apprends le livre, ça ira plus. Voilà. Ouh, hop. Il y a du stuff, il y a du stuff. Généralement, il y a des bons trucs dans ce genre de salle, mais là, c'est que de la merde. Je vais aller à côté. À côté, par contre, ça pue la... C'est bon, c'est bon. Mais si tu veux, au fait, Bipix, Blue, on pourra faire des sessions hein, de Baronnie. Hein. Faut que j'embarque Brozone aussi, parce que je lui avais dit, ouais, on fera des sessions, et j'oublie à chaque fois. Et on oublie. Faut pas que je me mette seulement la responsabilité. Enfin, on oublie tous les deux. On s'organise très mal pour jouer. Je suis paumé. Non, c'est bon. En vrai, Baronnie, c'est très très cool à jouer. Par contre, c'est un enfer hein, quand il y a le TK. Et que t'en as un qui lance un sort de magie qui t'explose. Pas du vécu. Donc j'active ça parce que déjà j'ai pas trouvé la sortie. Je prie, normalement il y a une sortie automatiquement. J'active ça et ça me permettra d'accéder à ce qu'il y a au milieu. Oh. Et j'ai un follower. Donc maintenant je suis pas tout seul et je suis tranquille, je suis quitte de mourir bêtement comme un caca. Où je pourrais être défendu par ce mec. Quel plaisir. Donc ça c'est des salles spécifiques. Oh putain. J'ai la mine. Là c'est le pire. Là c'est le pire. Oh, parfait. Là, c'est le pire. Apprends le bâton. Du coup, là, j'ai perdu mon pote. Apprends le bâton, s'il te plaît. Parfait. Dégage les gemmes. Donc là, ça va devenir très chaud.
Là, ça devient de plus en plus chaud. Oh putain. Ça fait chier. Ah, j'arrive plus. Je panique. Parfait. Tac. J'aime, on la dégage. On se dégage. On va prendre ça. J'ai oublié que j'avais ça. Toi, on te dégage maintenant que t'es plus utilisable aussi. Zoibot nous manque confiance. Ah, complètement. L'amulette de strangulation, pour des raisons évidentes, je vais pas la mettre. Alors, dans les caps. C'est intéressant. Bot. Intéressant. On dégage. Ça, j'utilise au max. Ça, pareil. Ça va être parfait. Bon, je vais me faire repérer très très vite comme ça, mais au pire, on s'en fout. Voilà. Bâton de lumière, j'ai utilisé très vite. Putain. Donc là, j'améliore mes stats au passage. Donc ça, par contre, ça peut être pratique si ma cape de protection, elle est morte. Alors j'ai celui-là et j'ai celui-là. Ah, putain. Il a failli me dézinguer, j'ai utilisé un coup de bâton pour rien. Tant pis. Donc oui, je reste là. Et pour être sûr de bien me config. Et pour être sûr qu'il y a un maximum de couillons qui se ramènent et que je les défonce. Vous imaginez pas le stress que je suis en train de subir. Donc, je vais mettre mon armure là. Là, je vais mettre mes armes. Oh putain! Hop là! Faut que je fasse gaffe, j'ai pas magie illimitée non plus. Hein. Fuck, il a cassé ma cape. Pas mon amulette. Putain. Putain. Putain, elle a eu le temps de lancer son sort, j'ai eu de la chance. Ok, j'en ai encore un. Prends ça. La bouffe. Ah, rien. Putain, oh, j'ai failli mourir. Ah, oh, fait chier.
Oh putain de merde! Oh la vache! 7 points de vie! Par contre, toi, t'as du matos, hein. J'ai pris un truc à 600. On va voir. Sinon, je le revends. Attends. Amulette de... un anneau de force. Okay. J'ai vendu l'anneau de force. Allez, on croise les doigts. Bonne amulette. Transposons. Donc, c'est ça tout à l'heure. Tellement chaud, putain. Et il faut que j'achète des trucs. Par contre, je peux lui vendre des gemmes. Et vu que j'en ai pas mal des gemmes là-bas, ça va me faire plaisir. J'ai quand même envie de tester les amulettes. Hein. Olympic Gaming. Yeah. J'attends un peu. Bien. J'essaie de retourner au spawn. Pas de bâton. Hein. Ah oui, il y a ça. Oh. J'ai failli mourir. J'ai failli mourir pour ça. Et j'ai faim. Donc 3 d'armure, honnêtement, c'est pas dégueu. Faut que je fasse vraiment attention. Putain, sérieux? Elle était verte, elle s'est cassée déjà. Bon, j'ai ça. En fait, il faut que je fasse ça. Hein. Bon, j'y vais, bonne chance. Merci, quasi. Pas de soucis, Débéco, merci d'être passé. Et de retourner au centre. Oh, des gants en fer, ça peut être pratique. Deux d'armure. Voilà, regardez. Putain. Merci pour ça, par contre. Un amour.
Ah non, ça a pété. Olympique, je garde ça de côté, ça garde ça de côté. Ça je dégage. Ça je dégage. Ça je garde. Ah bah je garde. Garde. Dégage. Et je garde. Parfait. C'est stressant, vous imaginez même pas à quel point je suis en train de me chier dessus. Merde non. Attendez. Là où je dois faire un tri. Hein. Là, j'ai... J'ai une oreille bien tendue sur le côté au cas où. Comme ça, en fait, l'anneau, je vais pas l'équiper, mais je vais le vendre. Comme les gemmes que je viens de récupérer. Pardon. Pas loin. J'ai pris les pickaxes qu'il y avait par terre. Je commence à prendre des lanternes aussi, ça reste pratique. Bon. Donc là je vais à des endroits que je ne connais pas. Je sais même pas comment j'ai fait pour survivre jusque là. Vraiment. Mais putain, plus j'en défonce, plus c'est correct en vrai. Plus j'ai moins de chances de tomber sur des ennemis et plus ça passe. Par contre, j'ai toujours de la chance, la possibilité de tomber sur des ennemis quand même. Jamais. Vraiment, attends. Ah, la lanterne, déjà identifié. C'est une idée à con. Protéger avec une perne. Et là, faut que je trouve la porte de sortie. Dans l'immédiat, faut que je la trouve. Dès que je l'ai trouvée, ce sera déjà plus pratique. Je me sentirai moins stressé. Ah putain, il est lock. Merde. Bon bah, on y va avec les points. Là, je peux m'aider un peu avec la magie, j'en ai suffisamment. Et il y avait un trap. Un piège. Que je peux utiliser à l'occasion et ça peut être pratique. Ouais. Petit trèfle à Minecraft, bonjour. Mindshit, bullshit, fuck no. Quel plaisir. Ah. Alors. Je prends tout l'argent. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pour les cacher dans mon inventaire. Donc, j'appuie sur Shift et gauche. Ah, ma vie remonte bien. Je devrais pas trop m'inquiéter.
Là, il y a le vendeur pas loin. J'ai toujours pas trouvé la sortie. La sortie, elle doit être en bas à gauche. Fork. Bon. Je peux pas les identifier, donc autant les vendre. Hop. Voilà. Non, là, j'ai 11 intelligences, donc je gagne beaucoup plus de régénération de mana, de dégâts magiques. Donc ça, c'est un plaisir. Oui, c'est pareil. Voilà. T'es tendu du cul ici, hein. M'en fous, je gagne beaucoup de moula. Par contre, j'ai hâte vraiment d'avoir une amulette de réflexion magique parce qu'à un moment, ça va être que nécessaire. Pas par là. Pas du tout par là. Là, j'y dis pas aller. Il y a eu un mort ici. Oui, je revais par là où j'étais, mais j'ai vu un bâton. J'ai vu un bâton. Cette gold piece. Okay. Donc je garde les pickaxes parce que par la suite ça va être plus qu'utile. C'est un truc qui est pratique dans ce jeu. On va en profiter. Sachant que ça m'évitera d'utiliser de la magie quand j'aurai le sort justement pour creuser. J'avance un peu. Ah bon. Pas grave. Ça me permet d'apprendre un truc. Pas été là, sous. Ego. Genre. Je vais essayer d'aller un peu partout. Comme ça, ça me fait un maximum d'argent. Déjà d'une. Je les entends. Il doit y en avoir peut-être un encore en vie des gnomes. On va dégnommer ça. Et fixer ça. Pas dans Harry Potter que j'ai appris à dégnommer moi perso. Un jeu de mort. Rien là. Le Stellès. C'est le Stellès ici. Allez. Boum, chakalaka, le stress. Ouh, potion de vitesse. Deuxième piège. Il est à gauche. Je veux le trouver. Ok, là. Ça m'a permis d'aller ici. Là, il y avait un magicien qui s'est fait péter la gueule ici. Oh, magic mapping. Oh, c'est... Hmm.
Et là. Prends mon pion. Il y en a un autre, putain! Je pensais que c'était le dernier. Ouh! Ouh! Qui accède des classes. Oh la cape! De réflexion magique. Bon, j'ai toujours pas trouvé la sortie par contre. J'ai vraiment pas trouvé la sortie pour l'instant. Ah mais il est où? Et je vais potentiellement mourir de faim avec ces conneries. Donc c'est pour ça que je mange pas non plus à foison pour être sûr de me garder un maximum de bouffe. Il y a un gnome pas loin. À gauche. Droite. Là. Et c'est pas n'importe quel gnome. Ouais. Je vais quand même regarder en haut. Hein. Ça me perturbe. Normalement, là, je les ai tous plus, les gnomes. Un excellent bâton magique de lightning, d'éclair. Ça en fait de la moulala. J'essaie de regarder. Je suis en train de mater la map là. Et du coup, j'ai pas été sur ce gros parcet. Sur cette grosse partie, pardon. Je voulais dire cette parcelle, mais ah oui, il a fait. C'est pas le bon mot. Il a fini en cours de route. Faut choisir, enfin j'entends pas les trolls donc ils peuvent m'attaquer quand même, eux. Je n'en vois pas. J'ai cliqué direct. Bon. Au moins on est au niveau 3 et je suis niveau 13. Honnête. Tac. Tac. Et j'ai du coup deux cailloux de merde qui me bloquent le chemin. Au moins j'ai la sortie, je m'en fous. En fait ça va, j'ai de la distance avec le bâton donc ça me permet d'éviter de prendre des coups. Mais ça reste un peu handicapant quand même. Ah, ils ont pas forcément beaucoup de vie hein, les trolls là. Bon, bon, bon. Ouh attends. Oh le spellbook là. Poison. Parfait. Et du coup j'ai un lockpick pour ouvrir les trucs généralement. Ouh attends. Parfait. Il est classe notre mage quand même. Il est classe. Je vais voir du coup ce que propose le vendeur, parce que du coup quand il y a une surface en bois comme ça, c'est qu'il y a un vendeur. Ah, attends, tu
peux acheter les armes. Et tous les machins à côté, ok. Pas intéressant. Faut que je fasse gaffe, hein. Je peux vraiment mourir là à n'importe quel moment. Des boules d'or maintenant, dans certaines salles. Ouais, j'ai paniqué, j'ai utilisé l'arme. Aïe. Paf, bolt. Olympic swimming. Oh. Oh. C'est lui que j'avais vu ce coup. Un bouquin et t'as une... T'as un livre pour quelqu'un, pas besoin. Là, il y a des gemmes. Peut-être. Là, j'ai chopé un ring, du coup. Un anneau. À voir. Et j'ai vu, ici, il y avait un levier. Pour sortir. Ah non, c'est pour faire péter ça, ok. Il y a une porte, au pire. T'as juste à l'ouvrir. Évitation. Ok, c'est dommage. Hein. Ouh, je peux la vendre 323 gold, elle. Quel plaisir. C'est là que j'étais. Je suis en train de faire un peu de la merde. Je tourne en rond, en boucle et en boucle. Plaisir. Ouh. C'est ça. Okay. Oh. Des canettes. Pas faire parce que j'ai pas de boîte. 12, non merde. Par contre j'ai ça. Ouh là j'essaie d'apprendre la gemme vu que c'est galère. Bah j'ai d'autres trucs à prendre. Bon, pour l'anneau. Hey Ragnarok, comment vas-tu? Adorement. Ah c'est pour, ok, c'est pour monter le charisme. Flemme. Pas besoin. On se démerde, on tue les coéquipiers qui vont essayer de nous emmerder. Par contre ouais, il y a pas mal d'anneaux là. Comment vas-tu Ragnarok du coup? À prendre. Une heure debout avant de prendre l'avion. Oh fou! Plaisir. Quel plaisir, quel plaisir. Destination d'où par curiosité? Merde, j'ai mangé, j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave, au moins j'ai tout ma rempli. J'ai un anneau de TP. Je prends quand même sacrément cher si j'ai la possibilité de le vendre. Mais sinon, ça va et toi? Bah, ça va, un peu fatigué. Mais bon, hein, j'ai moins de problèmes du coup. Vers Toulouse, ah, ça va vers le sud de la France. J'essaye de faire l'accent, mais ça marche ou pas. Et bah, bon séjour à toi. Hein. Je vais essayer de voir pour vendre à l'occasion. Voir si le marchand il accepte du coup mes anneaux. Ouais, j'ai 2 heures de route encore mais bon. Ah ouais ok, j'espère que t'as prévu de quoi t'occuper parce que sinon ça va être un enfer. Genre si... Bon je sais pas si c'est toi qui conduis mais... n'hésite pas à mettre de la musique, à te mettre bien, toi-même tu sais. On s'inquiète pas là-dessus. Ok. Et toi, c'est quoi? Si c'est le king aussi. Light, yes. Yeah.
contre, j'ai de la chance, j'ai tombé quand même sur beaucoup de spellbooks. Ouais, Rag a vraiment l'âge pour con. Bah, genre, je sais pas, hein. Écoute, je ne connais pas vos antécédents médicaux. Je ne sais pas votre signe astrologique. Moi, je ne fais que déduire. Je ne fais que déduire et. Je ne connais pas assez cette personne pour pouvoir dire qu'elle conduit ou non, tu vois. Et évitons de dire de la merde. Ah. C'est pour ça que je dis pas, ouais bah au pire, tu prends ta Switch pendant que tu conduis, mais bien. Non bah non. Évitons, évitons. J'ai mon télé, c'est tout. Ah, j'espère que t'as beaucoup de batterie. J'espère que t'as vraiment beaucoup de batterie. Seule. Pas de booster, pas de... C'est bon. Content de voir que tu live, ça m'occupe. Ah, y'a pas de sous, y'a pas de sous. Surtout que là, tu vois du skill incroyable. Y'a 20 minutes, j'ai... Fou. Ah, bon, ça, pour l'âge de Brozone, ça va. Moi, j'ai capté de suite qu'il était jeune. Hein. Bon, de toute façon, c'était facile pour moi de savoir qu'il était plus jeune que moi. La vie fait que tu le sais au bout d'un moment. Tu le ressens dans tes chakras. Oh. Wow. Hey, me tape pas le derrière. Bonjour toi. Donc je continue de prendre des choses, hein, même si j'apprends de plus en plus vite. Ça permet tout bonnement d'être bien paré. Dégage. D'être bien paré et d'apprendre de plus en plus. La preuve, je suis niveau 61, j'étais niveau 11. Mais t'es shoot aux hormones toi. Putain. Non, je vois pas, hein. Je me rappelle que je suis en 4G dans un aéro. Ah, oui, effectivement. Non. Quel plaisir, quel plaisir. Du coup, tu profites du beau son stéréo actuellement. Ah, j'ai pas dit qu'il pouvait potentiellement rouler en Ferra, tu vois. Le truc, c'est que, tu vois, je connais très peu Ragnarok. On a fait que peut-être un vocal tous les deux et j'ai pas forcément un souvenir de sa voix, tu vois. Tandis que Brozone, ça a été un peu plus intuitif pour le coup. Je veux dire, quand quelqu'un me parle du collège, généralement. Ah, j'ai tué une souris au pif, mais j'ai failli mourir. Ah, quel plaisir. Ah non, j'ai pas l'âge de conduire. Ouais, je me suis looté avec la condescendance de Blue actuellement par rapport à ça. Ah putain, mais j'ai les poches remplies. Bon, on va commencer à virer des trucs, hein. Ouais, alors déjà, ça j'ai... Ouais. Donc si j'arrive à vendre ça, j'ai 1055 gold en plus, hein. En vrai, c'est pas énorme, ça. Hein. Sa scolarité, pas faux. Ça va, entre enfants, on a le droit. Ouais, ouais, ouais. Il y a une tombe là-bas. Allez, apprends la gemme, apprends la gemme. Rien. Trop compliqué de l'apprendre. Pourquoi je suis resté assis toute la matinée J'ai juste envie de dormir. Ah, ça arrive, ça arrive. C'est le genre de moment. Et en plus, vu que t'es en train d'attendre, bah, plus les moments, les secondes passent, même si... Du coup, t'as moins de temps à attendre, hein, plus les secondes passent. Ça rend fou. Hein. Et le correcteur auto-lutal, ça m'avait pas manqué. Ah ouais, non, mais c'est un plaisir. Hein. La meilleure technologie au monde. Hein. Elle est bien, mais des fois, elle est chiante. Allez, je continue d'apprendre. Et j'apprends que c'est de la merde. Tu sais, je passe une heure sur un truc et puis je fais... c'est de la chiasse. Je commence à avoir plus de place dans mon inventaire. Il faut vraiment que je trouve un vendeur. Alors, est-ce que je vais faire spawn un zombie? Les gobelins l'ont eu au moins. T'as pu le fion, on va pas avancer. Fresh meat. Oh. Moldy cheese. Merci. Par contre, je suis surpris que je suis pas tombé sur des donjons, justement. Je pense au Chris qui était ni debout ni assis et qui est quand même mort d'ennui. Ouais, je rigole à ça. Oh. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Je n'approuve pas les paroles de ce monsieur. Hein.
officiellement. T'as le boulder. J'ai vu le trou du boulder, ça fait. Ah, faut peut-être que je m'arrête. Trop tard. Trop tard, là, j'accepte mon destin. Je vais mourir. Et. Au pire, c'est une bonne partie. J'ai les poches trop remplies, ça commence à être l'ennui. J'ai les poches trop remplies, c'est fini, je vais courir ici. Je suis pas doué pour l'impro. Ça fait plus de 3 ans que je stream et je suis pas doué pour l'impro. Faut que je m'y fasse. Jouer à destin pour changer de vie. Plaisir. Du coup, je suis quand même lourd. En fait, plus t'es lourd, plus bah tu ralentis, c'est le principe. Voilà. Merci l'anecdote de Zoilink. Quel plaisir. Ah, mais que de la merde. Capter le type de graphisme du jeu. Oui, non, en fait, t'es pas en 4G hein, depuis le... T'es en Wi-Fi sans t'en rendre compte et tu es en train de mater un stream sur un jeu qui ressemble à Minecraft, mais en un peu moins beau quand même. Ah, par contre, il prend que les armes. Oui, mais moi aussi, je suis déçu. Putain. Bon. Oups. Il m'a fait vraiment peur. J'ai pas eu le temps de réagir. Puis il était devant la porte, en plus. Vraiment, c'est un jeu que je conseille à... Baroni pour le coup. Il y a une porte qui a été cassée ici. Oui, j'ai faim, je sais. Par contre, du coup, il prend les armes. Ouh, putain, j'ai failli lâcher une émeraude à 904 dollars. Je sais pas, il coûte combien, faudra que je regarde. Je vais regarder ça juste après. Je vais regarder ça maintenant. Il est dispo sur l'Epic Game Store, il est dispo sur Steam. Je fais la promo alors que, techniquement, je gagne 0 copec. Hein. À l'avenir, quand je serai potentiellement un poil plus famous, donc c'est-à-dire avec un abonné plus, je vais commencer à me calmer. Hein. Attends, Baroni. Ouais, normalement, il dispose sur Steam. Il dispose sur Switch aussi. Il a AO. Il est un petit peu à 12,49. Et bon, c'est vrai que ça fait 12,49. Mais c'est un jeu indé. C'est un jeu indé assez cool, et en vrai, j'ai passé énormément d'heures dessus. Et je passerai encore énormément d'heures dessus, je pense. Jouer à destin pour changer de vie, je l'ai complètement dans la tête. J'attends de voir sur Epic Game Store, parce que je l'ai via Epic Game Store, parce qu'il était gratuit pendant un moment. Et en vrai, je trouve que pour 13 balles, il vaut largement le coup. Alors bien sûr, j'ai pas un avis complètement objectif, vu que je l'ai eu gratuit. Mais il est quand même cool. Beaucoup trop, même. Je sais que même au tout début, quand j'y avais joué, j'ai pas fait long feu. J'y jouais avec des potes et ça a été très drôle parce qu'on a appris en même temps, quoi. Ouais, il est pareil sur... Je cherche des jeux pour m'occuper la semaine prochaine avec un PC qui a dû la faire tourner Minecraft avec deux chung... Ah, putain. Je pense qu'il pourra. Je pense qu'il pourra tourner, honnêtement, Baroni. Après, j'ai comme pour un PC que j'ai eu à 800 balles, il galère quand même des fois, parce que bon, je pense que c'est le stream, processeur, et puis j'ai des merdes en ce moment, donc. Voilà, mais c'est vrai qu'il peut tourner, je pense. Il peut tourner. Allez, dis-moi que c'est un bon truc. Fuck! Par contre, j'avoue que si un jour je dois me le prendre sur console ou autre, sur Switch, je sais pas comment je vais faire. Hein. Parce que je suis tellement habitué à la caméra PC, du coup, avec le clavier. Que... Déjà, va bien le faire tourner. Ah, ok, d'accord, donc c'est...
Si Blue arrive à le faire tourner sur son Mac qui est capricieux, je pense que n'importe qui peut le faire tourner sans problème. Non, mais en vrai, c'est bien un Mac pour taffer. Oh putain. Ouais, ouais, pour taffer. Bah oui, en vrai. Et t'as fait n'importe quoi pour le coup. Attends, c'est quoi qui. Ah, la souris qui a rien compris. Ah, c'est ça, ok. Du coup, je suis quand même un sorcier qui utilise pas beaucoup sa magie. Hein. Mais c'est ma méta. Je crache sur Teams, donc bon. Ouais! Après, je parle de logiciels natifs. Hein. Après, c'est quoi comme Mac que t'as? C'est un des derniers ou c'est un qui date d'il y a 6 ans, tu vois? Et avec l'obsolescence programmée, je pense que t'es un peu dans la merde. Malheureusement, je rigole, mais je suis en mode... J'ai pas pris ma Switch, donc je veux plus entendre parler. Ah, putain. Mais tu sais que tu peux envoyer ta manette à Nintendo et qu'ils te la répare sans problème. Enfin, si elle est sous garantie, tu payes rien. Moi personnellement, j'ai rien payé quand j'ai fait la mienne et j'ai plus de soucis avec mon Joy-Con. Ça fait facilement, ouais, 6-7 mois que je l'ai envoyé et j'ai eu aucun souci entre temps, quoi. Du coup, j'ai plus de garantie actuellement, mais en plus de ça, aucun problème. Pour ça, je te conseille de faire ça si jamais à l'occasion. T'as tapé les 6 ans au pif, ça me fait mal quand même. Ouais. Effectivement, j'ai plus de jeu à faire sur. Bah, tu sauras que à l'occasion. T'as forcément l'embarras du choix, en fait. C'est l'offre, ouais. À côté. Alambic. Juste pour identifier. L'alambic, ça permet de faire des potions, mais j'ai la flemme. Ça peut te faire des mélanges de potions incroyables, mais flemme. Complètement flemme. Et du coup, on peut faire... Tac. Ah putain, je pourrais y jouer avec le 29. Ah! Bah écoute, au pire, c'est mieux d'y jouer le 29 que de jamais y jouer. Intelligent, hein. Bon, je vais mettre ça. Comme ça, c'est en métal, je vais avoir mon... 5 joueurs à avoir la boîte sous mes yeux. Ouais. Et tu seras content au final. Garde cette idée en tête. Garde cette idée en tête. Je sais que sur le moment, tu vas être... Ouais, me fait chier, je vais devoir attendre tout ça. Mais au moins, t'as le jeu. C'est ça le truc qu'il faut se dire. Alors bien sûr la frustration, tout ça. On la connaît. Ouais. Yep. Je fais ça juste pour augmenter mon apprentissage, quoi. Miles Morales. Ah bah au moins tu l'as. T'es quoi à dire, mais... Je trouve que c'est le meilleur moyen pour on va dire, effacer la culpabilité. C'est un truc que je me disais souvent quand j'étais gosse. Au moins je l'ai. Et ça c'est cool. Donc là on est dans un nouveau biome en quelque sorte. Ça va être l'enfer. Avec des ghouls, avec des pièges encore plus vénères. Et bien sûr maintenant on peut nager. J'ai fini en 2 jours, mais t'inquiète. Bah yes. Ça tryhard à ce que je vois. Hé, hey, toi. Et là. Tu m'as hit, bâtard. Tu m'as fait très mal, espèce d'enfoiré. Ouais, il était pas très loin. Hein. Bah après, je t'avoue, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment y jouer à celui-là. Hein. Enfin, d'y jouer tout court, même. Qui est con. Paire de lunettes. Ouais, ça rapporte rien. Ah bah, je mange. Ah, j'ai plus que ça pour manger. Quel enfer. Au moins, j'ai de la restauration de magie. J'ai techniquement du soin. Oh. Ah non. Oh
Mais je pensais que c'était un copain, moi. Oh, j'ai failli mourir de la pire des façons. Ça fait déjà 20 minutes. Ah, c'est déjà 20 minutes de moins. On relativise, on relativise. Putain, mais fais chier. Putain, il m'a explosé la gueule. Oh, je suis triste. Je suis très triste. Là, j'ai avoir mal au cul. Et par contre, j'ai rien pour me soigner. Du coup, on va arrêter de jouer. Hein. Alors, je vais nager un peu. Parce que ça augmentera mon ma nage. Je suis niveau 2. Comme ça, le temps, je récupère un peu de points de vie. Attends, les HP, on les récupère comment? En constitution, yes. Et du coup, je suis à combien? 1 toutes les 12 secondes. Plaisir. Après, quand je vais m'asseoir, j'aurai plus mal aux jambes, mais j'aurai très mal aux oreilles. Yes. Ah, bah, tu m'étonnes. Et si tu veux, je peux saturer un peu. Encore, là, j'ai baissé le gain complètement de mon micro pour éviter de saturer dans tous les sens. Donc, en vrai, ça... Mais, ouais, ça reste quand même ça, quoi. Avoir longtemps, plus les écouteurs ou un casque, ça te défonce le crâne. C'est... Fais gaffe, j'ai 14 HP. Hein. Là, la run, elle peut finir très très rapide. Oh yes! J'ai gagné 6 points de vie. Plaisir. Ah, c'est un die and retry. Pas vraiment! C'est un dungeon crawler en fait. Ah, là, Isaac, et en gros, si tu meurs, bah, tu meurs et ta run, elle est fou. Du coup, c'est un plaisir. C'est un giga plaisir. Un peu âgé. Ouais, c'est bon. Ça va, je vomis pas. Jamais manger avant d'aller dans la piscine, après tout. C'est un conseil qu'on nous a tous donné, mais qu'on n'a jamais respecté. Alors, si j'utilise la tombe, je suis plus certain qu'il va y avoir un cadavre qui va sortir. Voilà. Patate. Elforinos. Ah. On regagne de la vie. Et j'ai trouvé la porte de sortie. Donc. Parfait. Par contre, j'ai perdu ce bâton. Ça va me faire un peu de place. Je vais garder ce bâton-là. En échange. Non, j'utilise une fois, il est foutu par le bâton. Mais il est trop bien ce jeu, en vrai. Jouer avec des potes, c'est un putain de délire. C'est vraiment un putain de délire. Ouais, je refasse à l'occasion avec El Caro, s'il est chaud. Et du coup, avec d'autres personnes, hein, si les personnes sont chaudes aussi. Attends, c'est mon mate? Non. Toujours envie, mon mate. Par contre, celui qui était là, non. Ouais. Magic Reflection. Oh! J'ai deux capes de réflexion magique. Vous imaginez... Ah non, j'en ai qu'une. J'avais pas... Merde! Merde! M'en suis débarrassé? Enfin, attention. Re, j'ai été coupé. Y'a pas de souci. Ouais, je disais, c'est pas vraiment un Dying Retry, c'est un dungeon crawler, en fait. Qui peut jouer avec des potes, d'ailleurs. Et il peut y avoir du TK, et tu peux te retrouver à faire... Oh tiens, et y'a un monstre là-bas. T'as un pote qui passe devant et qui meurt. Pas du vécu. Pote, il est là, ok. Alors, j'ai pas exploré de ça. 15h45, j'avais pas vu. Ah bah yes! Bah let's go au pire. Let's go. Vas-y. Bon, tu vas être en mode avion soon, du coup. Bah, plus gentil d'être passé à Ragnarok. Et j'espère que tu vas apprécier ton voyage et les 2 heures de... Après, bon chance et amuse-toi bien et passe de bonnes vacances.
pas dire que c'est un... Je reste encore un peu... Ah! Ah oui, ça se met bien! Non. C'est pas le bon sort! Routier. Voilà. Du coup, je peux mettre ce sort là maintenant. Alors, je vais pouvoir réorganiser vite mon inventaire. Tac. Donc maintenant, je peux ouvrir. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, je peux faire... Putain, j'ai reculé de suite parce que je m'étais fait avoir une fois. En fait, en utilisant le levier, ça va activer un truc. c'est bon, y a pas de souce, j'ai survécu. La la la. Surtout que j'ai mis le timing. Ouais, faut que je fasse gaffe parce que la dernière fois j'ai fait ça et puis je suis mort. Et il le fait. Et il le fait, ce con. Mais c'est pour démontrer la chose. C'est bien. Faut que je fasse attention avec ce qui est vieux en nourriture parce que je peux vomir. Alors par contre, il y a un truc dans cette cour. La musique, elle est cool, par contre. Ah, il y avait rien. Il y avait rien, j'ai le seum. Alors. On jette, on jette, on jette. Putain, tu es au courant que j'ai failli te mettre un coup, toi? Et je vais voir en bas à gauche et après on va changer de salle. En vrai, c'est honnête. Là, je remarque pas à quel point en fait c'est passé vite ce stream du coup. Je pensais que je pouvais pas faire. En fait, j'avais pas d'idée de jeu à la base. J'avais zéro idée de jeu. J'ai vu dans ma liste de jeux Epic Game Store, j'ai vu Barony, ça fait. En vrai! Et Barony, ça sera un kiff à chaque fois. J'ai déjà fait en plus une run Wizard il y a pas longtemps en stream. Un kiff. Ouh, j'ai failli misclick. J'ai failli misclick, c'est incroyable. Oh, la pickaxe. Tiens, un parchemin. The light. Oh, une pickaxe en plus. C'est pas dégueu. Hop, hop. Voilà. Non, non. Ah, putain, j'avais pas compris. Non, non, je suis pas en... Oh la vache, c'est la preuve que je lis vraiment à moitié des fois les messages dans le chat. Hein. Je viens de comprendre en fait. Non, non, je ne suis pas en première classe, je reste encore un peu. Ok. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. J'étais en mode, ah, et bah, mon cochon, ça se refuse pas des choses, mais c'est normal. C'est normal, j'ai juste mal lu, voilà. Bon, la première classe, des fois, ça coûte la blinde, mais pour rien, quoi. Après, c'est vrai que c'est confort. Enfin, j'ai jamais pris l'avion. J'ai jamais pris l'avion, j'en sais rien. Je nage un peu, comme ça je profite de boire un peu. N'oubliez pas de boire les enfants, c'est un plaisir de boire. Ouh, je suis à 1h15 de run. C'est bien marqué là. Je suis à 10, niveau 17 en swimming. Ce qui est pratique en fait, c'est que ça permet de level up un peu... La quatrième zone là, c'est la deuxième qui rentre. Ok. Ouais, t'as un peu de temps, t'as un peu de temps quoi. Il est broken. Alors, par contre, il y a des araignées ici. Bon, t'as un pote ou t'es pas un pote? T'as un pote. Y'a là. Attard. J'ai pas d'eau. Ah! Ah bah, yes. Ouais, effectivement. Eh, mais tiens, je me suis remis à procrastiner. Allez, hop, 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 Blue, je disparais. À plus. À plus, Blue. Merci d'être passé. Travaille bien, travaille bien. Travaille bien. Ça pue la bite. Ça pue la bite de faire ce que je vais faire là. On va tenter. Alors je savais pas qu'il y avait un boule d'or au niveau du levier. Hein. Je viens d'apprendre. Un spellbook. Opening. Et j'ai de la bouffe. Jamais ramasser de la bouffe par terre. Hein. Mauvaise idée. Surtout dans un donjon comme ça quoi. Oh tiens, il y a de la viande fraîche ici. Ouais, ouais, ouais. Attends, faut savoir de quoi ça venait. Ou de qui ça venait.
Et là, c'est moins glamour. Regardez. Oh! Oh! Parchemin de bouffe. Chemin de paradis. Bon, par contre, du coup, faut que je me sépare de choses. Là, tu dégages. Ce qui coûte le moins cher, en vrai. Y'a pas une pioche là qui me servira à rien. Par contre, ce bâton, c'est mon bâton? Merde! Faut que je m'en rechope un, du coup. Bon, bah écoute, hein. C'était mon bâton. Encore un truc de place. Voilà. Au moins que j'analyse. Elle me coûte 59 gold et c'était là. 59. Allez, on run. 3, 2, 1. Ça m'amuse. Ça m'amuse premier degré de faire ça. Attendez. Faut que je fasse quand même une place dans l'inventaire, hein, si on peut en faire. Zone 3. La tension est palpable. Oh, j'ai pas d'anneau. Pourquoi je perds automatiquement le marquage de mon anneau, là? Un anneau de TP, en vrai je le dégage. Ça aussi. Ah non, parce que là... Je suis en train de me retrouver dans la merde au niveau de mon inventaire avec ces conneries. Bientôt ton tour, bientôt ton tour. Tout est chaud, tout est chaud. Je pensais que j'allais mourir, même pas. Ah, la petite popo de soin là. Oh, la petite eau déminéralisée là. Ah oui, merde. Oublie celle-là. Et... Putain de merde! J'ai pris cher. J'ai pris tellement cher. Bonjour! Vous vendez que des bouquins, merde! Attends. Ah si, je peux te vendre ça, et... Vas-y, bâtard. Oh, attends, t'as des parchemins. Ah, t'as pas de parchemin intéressant pour moi. Fuck. Non, je voulais pas faire ça. Ah, c'est vrai, résistance au poison. En fait, l'Olympic Swimming, ça permet de nager du coup plus vite. Normalement. On est d'accord qu'ils sont paumés mais les followers là. Opening, magic mapping, c'est vrai que c'est sympa. Hein. Téléportation, un food, un scroll of food. Pour le prix que ça vaut en vrai. Oh le magic missile. Oh le magic missile. Oh le magic missile. Pardon, on va se calmer. 37 de dégâts. En vrai, c'est pas dégueu. On va le remplacer par le Thunderbolt. Le Force Bolt, pardon. Pas le Thunderbolt. Mes jambes commencent à lâcher. Oh merde. You can do it! It will be your turn soon. You can do it. Un parchemin de destruction d'armure. Je vais pas l'utiliser, tiens, pour des raisons évidentes. Quoi, ça pue. Bien. Ah bah, plus, c'est mon tour. Ah, plus, Ragnarok, merci de passer. Plaisir. Plaisir de t'avoir eu. Et quel organe?
J'essaie de venir demain. Y a pas de souci, y a pas de souci. Si tu peux pas venir, tu peux pas venir. C'est très gentil de ta part d'envisager de venir demain déjà. Bien comment je me chie à moitié dessus intérieurement à chaque fois. Ya! Ah oui, ça se lance. Mais ils sont où mes followers en fait? Attends, je l'ai activé en. Ouais, ils sont là. Bah alors les mecs! Aïe. Alors, il y a la salle là au bout. Je vais y aller, je vais passer par là. Hein. Je vais tenter. Hein. On va faire bourrin, on va faire bourrin. J'ai pas de sort de soin pour l'instant, par contre. Ça, c'est la merde. Je m'en rappelle la blague qu'on avait fait avec El Caro. C'est que moi, je jouais du coup guerrier. J'avais bouclier plus épée de base. Et lui, il jouait soigneur. Bah, la giga blague, c'est que. Bah, en fait, à la fin. Il faisait plus de dégâts que moi. Voilà. Quelle salle ça. C'est la salle de la monnaie. T'as les murmures qui est à gauche. Non, je vais chercher mes sbires parce que. Yo les potos. Donc je me fais quand même un maximum de moula là actuellement. On se met bien, on se met bien. Putain le connard. Mais tu te mets devant ma gueule. Alors. Oh putain. En fait, j'ai failli mourir dans le processus là. Putain. Mais vous mettez pas devant. Quel enfer. Bon. Du coup, là, j'ai commencé à pouvoir faire un peu de. Je vais manger un peu. Le pain, ouais. Par contre, ça m'a fait un peu plus de place, hein, ces conneries. Je vais pouvoir me remplir à nouveau les poches. Pour apprendre. Alors. On va ranger ça. Je mets ça là, je mets ça là, je mets ça là. Pareil. Je suis bien alourdi quand même avec ce truc. Hein. Enfin, plus de 4 d'armure en vrai. Faudra que je la change bientôt alors. Sachant qu'à savoir que les followers ils s'équipent eux-mêmes. Hein. Oh. J'avoue que ça, ça peut être prêt. Bon après c'est moins longue distance mais... Ça sera déjà mieux que rien en vrai. 5 à 5. Alors, peut-être avec de la chance, lévitation, non. Polymorphe, ouais, non, ça a évité ça. Peut-être ça pourrait être intéressant. 130, ouais. Déjà ça. Ouh, par contre, toi, t'as l'air lourde. À prendre mon bouquin. Remove curse.
Ça, c'est pété. C'est bon. Non, mais y a pas de sauce. C'est bon. Remove curse, c'est le paradis. Téléportation, on va te mettre là, là, là. Remove curse, ça va être le paradis. Voilà. Quoi ? Ouais, je... Et bute-le ! Putain. C'est ça d'engager des gens sous Wish, là. Bordel. Attends, j'ai identifié la jeune ? Non, elle est trop... Ouais, trop tard. Of Destiny. Isako, Magic Spear. Comment ça? Comment ça, le cochon, il avait ça, lui? Bon alors? Ça fait pas partager, ça fait pas partager, copain. Allez. Ouh. Elle est excellente. Elle dégage. La lévitation. Non. Calme. Je vais le booter, pas. Je sais déjà. Parfait. Ah, je te jure les sous-titres. Hocus pocus. Hocus pocus. Alors ça, c'est pratique, mais je sais toujours pas à quoi ça sert. Oh shit! Ah mais c'est pas mon secteur d'activité ça. Voilà, moi mon secteur d'activité c'est boom. Vas-y. Ouais, vas-y. Oh fuck. Oh. Pardon. Siji, mon acolyte, mort au combat. Il avait la tête sur les épaules. Ça lui a pas suffi de comprendre à quel point il était dans la merde. Putain, j'ai eu peur. Je savais pas que je pouvais faire ça. J'ai littéralement de la prendre là. Oh, attends, 6 de dégâts? Ouais mais là c'est une lance. C'est très triste ce que je viens de faire quand même. Et tu pousses le... Tu pousses ton acolyte dans le vide. Plaisir. Là par contre... Ouais, là je faisais des moves risqués là. Yes, mauvais côté. Aïe aïe aïe. J'ai hâte d'avoir un anneau de lévitation, hein, ça permettra de moins galérer là-dessus. Tac, tac. Là, elle est en décrépite. Et il me reste deux trucs à faire. Donc une, voilà, c'est mort. Donc là, toutes les pickaxes que j'avais stockées, en fait, me servent plus à rien là. Enfin, me servent, mais toutes là maintenant. Voilà. Et du coup, pour éviter de gâcher la dernière, parce que mine de rien, ça se pratique si au cas où il y a une merde.
Ouais, je fais le chemin. À poil ? Ah, je suis à poil. Voilà. Du coup, on a fini l'étage. C'est parfait. Bon. On regarde à peu près l'heure. Il est... Voilà. Donc là, maintenant, je suis tout seul, hein, vu que j'ai buté... J'ai buté mes bros. Ah bah la porte elle est juste là, c'est parfait. Et il y a un vendeur. On espère qu'il prend les gemmes, tout ça. Attends, toi par contre. Oh non mais t'es sérieux? Magic reflection. It's just your imagination. Oh, attends. Je peux pas lui vendre ça, c'est de la merde. Putain. Je vends que de l'armure en fait. Ou des armes. Je suis en train de me mettre dans la merde avec ces trucs à la con. Gage. Attends, le sang il a rebondi sur lui, j'ai pas rêvé. Par contre, du coup, vu que tu prends ça, alors je vais me faire plaisir, je vais vendre des choses, mon gars. Je vais me faire de la moulin. Ah, moi là, c'est mon objectif, hein, c'est la moulin. C'est la moula que de la moula. Eh, dis-moi que les lunettes sont intéressantes. Bah du coup on gagne en perception avec les lunettes. Je sais pas ce que ça fait la perception. Danse magique. Ok, grande zone, gueule, plaisir. Angulation, non merci. Olympique, ouais, ça commence à... Oui. Ah, j'ai perdu une chaise. Tu as ce niveau de stress. Préparation. Ben, on répare la pickaxe. La pickaxe, c'est la vie dans le jeu, là. Bonjour. Oh. Le spellbook, il me rapporte quoi, allez. Bon. Oh, c'est parfait. Allez. Le spellbook, rapporte-moi un truc cool. Oh bah, je peux détecter la bouffe maintenant. J'ai un odorat ultra perfectionné maintenant, je peux détecter la bouffe. Une de strangulation. Light, je vais là.
Pas dans l'eau. Comment ça se passe ici? Bon, ça se passe bien, on est toujours sur la même run depuis 1h37 maintenant. C'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est un plaisir. J'ai failli mourir plusieurs fois d'ailleurs, c'était très drôle. on fait avec. Allez, identifiez-moi la gemme. Identifiez ma gemme, là. Donne-moi la valeur de ma gemme, là. Allez. Allez, s'il te plaît. Bon. Je repasse vite fait, y'a pas de soucis. Ça va, ça se passe bien, t'es tranquille, Ragnarok. Ouh. Oui, de digestion. Par contre, ça c'est cool. J'ai pas de boue. En vrai. Ouais, voilà quoi. J'ai pas mal de bouffe. Je me mets très bien. Ah, puis la fontaine qui m'a heal. Quel plaisir. Bon, du coup, je peux enlever ce sort, hein, j'imagine. On va rester. J'ai une bonne config là. Enfin, une config. Ok. Quoi? Casse les couilles. Hein. Nya, 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 je me mets devant. Bah tiens, t'es mort. Oh. Mais ils ont des armes de bâtard quand même, eh oh. J'ai des followers. Ils se mettent bien. Ça, ce level, par contre, c'est le level de l'enfer. C'est le level... Oh, il y a déjà la sortie. C'est le level... Ah oui, non, c'est normal. C'est le level où, en gros, la première fois qu'on l'avait fait avec El Caron, on s'est chié dessus. Voilà. Parce que à un moment, bah, c'est un peu flippant, ce qui se passe. Incroyable, j'ai jamais été ici. C'est des... ça fait partie des salles secrètes, en quelque sorte. J'ai les poches trop remplies, je suis dans la grosse merde. Voilà. Et en fait, regardez, hein, y a rien autour, on est d'accord. Voilà, voilà. Commence à y avoir des trucs chelous. Oh, j'ai une pote ghoul, parfait. Rien. Enchant weapon, c'est fait. Food. Oh, parfait. Oh, je fais 9 de dégâts avec la spire maintenant. Ah, il m'attaque de suite. Oh merde. Voilà. Il y a du monde. Arrivé, je vais prendre du temps à sortir. Je suis au fond. Ah, oh, bah plaisir. Oh, il a esquive. Non. T'es un foiré.
Je vais attendre un peu. Hein. Je capte mieux dans l'avion que dans l'aéroport. Bah, c'est... Ouais, c'est normal après tout. Hein. T'es plus proche de la 4G. Hein. Quel enfer. Mettent quand même cher, hein, les bâtards. J'ai plus de magie, yes. Décollage, allez, salut. Pas de soucis, Ragnarok, salut, salut. Bon voyage, amuse-toi bien. Je suis dans la merde. Ouais, je suis pas tant dans la merde que ça, mais en même temps, si. Il y en a tout autour, hein, du coup, des mobs. Ah putain, toi t'es pété. Oh putain. Tour, hein. Je les défonce bien comme il faut. Déjà, ça me fait level up. Donc, mine de rien, je suis. Ah. Ah. Attends. Du coup, pour ce bolt, il coûte rien. Attends, je peux spammer celui-là. Il a plus. Il y en a encore. Du coup là ça me coûte 0. Voilà, ça me coûtait que dalle de balancer Force Bolt. Qui est un plaisir. Du coup j'avais pas identifié son chapeau à l'autre. Oh bah c'est plutôt bien passé en fait. 5 d'armure. Bah let's go. Je suis un magicien. Je garde le chapeau là au cas où parce que en vrai ça reste prêt. Et je vais aller explorer un peu partout, parce que, comme on peut le voir sur la map en bas à droite, il y a une salle un peu cachée, une salle mystère. Et je vais en profiter. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus après, parce que ça va faire bientôt 2 heures. En tout cas pour le rec, ça fait 2h30 là pour le stream, je viens de réaliser. Ok, je voulais pas faire autant. J'ai plus de pickaxe. Je voulais aller derrière ça, mais j'ai plus de pickaxe. Putain. J'ai récupéré 2 anneaux. Un anneau de force. J'ai plus d'anneau. Je porte même pas d'anneau actuellement. Un anneau d'invisibilité. Oh bah, ça s'est bien... Ça s'est passé. J'irais pas que ça s'est bien passé, j'irais que ça s'est passé. Et du coup, je voulais voir avec...
voulais voir justement avec avec la pickaxe, la zone cachée, parce que j'y suis jamais allé. Mais j'irai pas. Tant pis. Je vais avancer un peu quand même. Et on est qu'au niveau 10. On est au niveau 10 et je suis niveau 27. Hein. Ouh, il y a un vendeur là-bas. Hello mon vieux. Oh. Je peux lui vendre ça. Je peux lui vendre ça, ça y est, je me fais de la moula. Voilà. Voilà, voilà. 12 000 gold. Oh, ça vend... Oh, il vend tout, il achète tout. Oh, le plaisir, je crois. Oh, il achète tout. Je vais revendre dans la foulée, hein. Healing, c'est parfait. Speed, je revends. Je me soigne un peu, je suis tranquille. Alors, j'ai suffisamment de moula pour acheter ça. Allez, on occupe un... Attaque. Remove curse, remove curse. Et ce qui est bien, c'est que je peux lui revendre, mais vraiment bien. Je peux lui revendre tout. Et ça, c'est un plaisir. Je vais, alors, je fais cette salle et je fais celle d'après. Enfin, je sauvegarde la salle d'après. Du coup, je peux prendre tout ce qui est au sol. Ouh. Il a le mettre, là. Pour l'armure. Comme ça, je ramasse tout, je vends et je me fais encore plus de moula. Rentabilité sur 20. C'est un plaisir. Là, je suis sur ma bonne run. Hein. Ah, toi, par contre, t'es un méchant. Un méchant, mais mort. J'avais un arc. 10. J'avoue que c'est intéressant. Attends, mon apprentissage, il a 100. Ça y est, maintenant, je peux vraiment tout identifier sans m'embêter. Maintenant, je prends, ça identifie direct et je suis tranquille. Je veux voir un truc. Bon, Rimkers. Ouais, ça augmente ça. Bon, c'est quoi? C'est l'améthyste, celle-là. Elle est à 600. Et si j'enlève le curse, elle reste à 600. Je voulais voir si, par exemple, en mettant du coup en enlevant le. Aïe. En enlevant la malédiction sur un objet, ça permettait qu'on le vende plus cher. Alors que non. Ça aurait été bien en vrai. Je vais les vendre tout ça. Olympic Timing. Voilà la vitesse à laquelle ça va. Mais du coup, je crois que mes bots me permettent de voir qui se trouve à tel endroit. Du coup, c'est un plaisir. Bien sûr. Et tu mets... Ah, vraiment, toi, tu t'en bats les couilles. Hein. Le mec, il m'a agressé direct. Ferme la porte. Non. Oh, je me fais tellement d'argent. Garde ça bien sûr. Bon, ça. Dans ce poison. Allez, maintenant je la vends. Ah, la magie que je me suis pris dans la gueule là quand même. Et bien sûr, j'ai pas de sort de soin pour l'instant.
Ou c'est un enfer. Comment ça se fait que je joue si vite? Ah oui, mais je me suis vidé les poches, ça va. La merde. Il y a une cape qui renvoie les dégâts. J'ai pété mon bâton là-dessus. Quel plaisir. Oh, puis j'ai la mule. Merci à Reflex. Qui viennent de me sauver la vie, du coup. Merci à la vitesse et les réflexes. Hein. Surtout la vitesse, là. Pour... J'ai exploré partout, on est d'accord. Là, je peux aller vendre. Là, je vais aller vendre. Eh, ça, j'ai vendu l'amulette. Canard. Faut garder l'amulette. Ah, mais je peux la décurst, c'est bon. Je vends ça. Et je vends ça. J'ai vendu ma flammage, mais quel abruti. Gemme, j'ai vendu les gemmes, les potions, pareil. T'as rien d'intéressant par hasard? Ouais, non. Bonne, rien d'intéressant. T'as rien d'intéressant. On va remove... Ah oui, je peux vendre mon bâton cassé. On va remove curse ou sur Magic Reflection. Parce qu'honnêtement, entre ça et la cape, je me mets bien. Je garde... Ouais, on va faire ça. Voilà. Je sais pas si j'ai été... Ouais, là c'est le spawn. Ouais, bah c'est bon. C'est bon, je peux finir, je peux finir. On finit là-dessus. Je pense que c'est pas mal. Et ça fait 1h57 de stream. Oh, l'upload, là, il va être vénère. Bon! Du coup, on sauvegarde. On est où? On est... Ah bah, on est à la fin. Bah, attendez. On va au moins faire ça. Et du coup... Ah, l'anneau d'invisibilité. Ouh, ça par contre, ça peut être bien. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est pas de la merde. C'est pas du tout de la merde. Enfin, hop. La bonne bouffe. Plaisir. Et j'ai toujours pas d'anneau de lévitation. Ça, c'est, par contre, c'est... Quelle indignité. Extrailing, extrailing, polymorphe. Dégage. Et on sauvegarde à cette salle pour conclure. Voilà. On finit là-dessus. Je trouve que c'est pas mal. N'est-ce pas, YouTube? On est d'accord. De toute façon, tu seras pas d'accord. Et c'est normal. Et je comprends. Allez, la bise.